joue pas bon. Ah, nous pas en forme. Nous pas en forme. Pendant que nous pas en forme, non. Nous pas arrêter, nous pas en forme, non. Mm-hmm. Faut que nous essayons de transformer pas en forme, non, en forme. Parce que c'est ça, tout le monde attend. On a commencé avec chaque fois là. Chaque fois là, c'est parce que c'est président et sénat. Fontibac est sous élection et qui fait yo. Mamadou, vous comprenez que ça t'a toujours intéressé pour retourner comme président sénat. Et vous sentez vous retourner comme président sénat, ça? Bon, premièrement, il faut dire que être président sénat, je ne crois pas que c'est seulement un privilège, mais c'est surtout une opportunité pour servir. Une opportunité pour affirmer, et une opportunité tout que moi-même personnellement, dans la conjoncture là, que je dois saisir pour me retirer sénat dans la situation de léthargie que j'ai. Parce que pendant un an, ou presque senti sénat, presque en totale hibernation, ou pas senti que sénat existait, et surtout, après une période difficile que nous te vivons, et avec tout ce qu'on est, t'es passé dans le sénat. Mais également, c'était ouais. Comment profiter de position président sénat avec l'autre collègue sénateur pour nous voir qui ça nous capable de faire pour pays, un pays que m'estimait que depuis le moment ça a quitté en agonie. Mais on était membre et institution. C'est vrai qu'avec leadership très pâle et de ancien président, mais quelque part nous-mêmes, nous avons presque accepté puisque nous n'avons pas quelque chose que nous avons fait. Écoute, lors d'un mandat en bureau, il y a un principe de base où toujours essayer d'éviter que vous mettez l'image président en question. Il est toujours bon pour essayer de préserver l'image bureau, parce que de toute façon, et quelles que soient les conditions, bureau et pour lié, c'est vous-même qui mettez en place. Et c'est fait de telle sorte que vous poussez bureau à Jipito, vous poussez bureau prendre des décisions au lieu que peut-être ont attitude critique vis-à-vis de comportement bureau. Moi-même, il faut que je dise tout, stratégiquement, je t'ai choisi pour un recul. Parce que je t'ai à peine sorti dans vivre en période difficile. Je prends un recul que je considère comme un recul stratégique. Et c'est une peut-être naïve que, ou bien incompréhension, président République, là, lorsque l'étant on semaine avant l'élection bureau pour l'entrée en scène et pour choisir faire campagne pour X ou Y candidat. Dans le cas précis, ça, il était choisi pour faire campagne pour sénateur Sildor. Donc ça, c'est confirmé que M. était en face ou pratiquement? Non, c'est clair. Ok. Le président, t'es dressé en face moi. D'ailleurs, il était déclaré par certains sénateurs que bon, moi, sénateur Lambert Caprile, m'a choisi pour ne pas prendre téléphone. Ah bon? Ça veut dire que, effectivement, que j'ai le vrai. Et c'est normal pour moi, et puis parce que, je ne connais pas comme animosité profonde avec le président, et puis il était du devoir même pour que, moi, par moment, je vais le président coup de fil, et en même temps, tout, pour me annoncer que je serai candidat à la présidente du Sénat lorsque je m'apprends que tu as plus gain dévolu pour jeter son lot, et plus particulièrement le sénateur Sildor. Voilà. Donc, ils ont le droit que le président gagne pour le supporter mon nivelé, c'est certain. Et ça fait, ça va déranger. Mais le président n'a aucune maîtrise vraiment de sacrer en assemblée parlementaire que moi, je fréquente en bas depuis environ 16 ans. Depuis, bon, presque 16 ans. Parce que quand même, deux mandats sénateurs et un mandat député, et ça fait 16 ans. Il y a une maîtrise ou bien une triture qu'on gagne à un certain niveau. Et le président choisi. Parce que campagne on président Sénat, et pas une campagne qui fait une semaine, deux semaines à l'avance, à moins que une conjoncture particulière et qui populise au monde.
Et c'est incapable cas de moi-même pour écrire ça, parce que quand même, toute tendance confondue, sénateur a été choisi pour voter en faveur. Mais par contre... Alors, continue. Et il y a des sénateurs, monsieur, et certains sénateurs, il y a dit, il a voté Lambert, mais c'est parce qu'il n'a pas voulu voter s'il dort. Bon. Pas parce qu'il aurait aimé Lambert, mais c'est parce qu'il n'a pas voulu s'il dort. Bon, c'est possible. C'est possible. Mais cependant, ça qui est certain, c'est que je stade campagne pas moi-même depuis jour même s'il dort a prêté serment dans le Sénat. Et l'organe des sénateurs qui prend engagement ensemble avec vous depuis environ un an, il est extrêmement difficile. Non, ici engagement pas respecté à quelque chose à niveau. Bon, on a saisi, on a même signé, on a essayé de voter, et puis pour X raisons, on ne va pas voter encore. On dit qu'on évite ma vie de passer, et puis Lambert impliqué dans le bagage que le n'est pas content, et puis il dit qu'on va faire Lambert encore. Bon, c'est très possible. C'est très possible, mais dans le cas précis, bon, on va au bénéfice tout là, parce que quand même, il y a qu'un des paroles. Il y a qu'un des paroles, mais avec les pressions que le président fait sur certains sénateurs. Qui pression un président qui a fait son sénateur? C'est-à-dire, sinon que je carré les sénateurs, un président de la République, je dis, non, et chef là, on connaît que mon vote et s'il dort, c'est ça pour moi. Qui ça en plus? Bon. Il y a des sénateurs qui disent que le président joue. Ah, ok. Timoun là, Kaili? De toute façon, il n'y a pas laissé Timoun là, le président. Pour dire ça, parce que, en fait, malgré la position que le président prend, gagné vis-à-vis de eux, mais ils choisissent quand même de mettre le cap là et voter en faveur. Et là, il faut que moi rende un hommage mérité à tous les sénateurs, et plus particulièrement, les sénateurs qui étaient plus pour pression, qui c'est le sénateur Garcia Delva, qui c'est le sénateur Kedler Augustin, sénateur Kedler et sénateur Fétière. Un peu moins, je pourrais dire ça, parce que, au compte, son garde que je suis, alors, ancien garde, alors, les mêmes positions étaient arrêtées. Il dit, ni point position, ni fini. Vous comprenez? Mais on est pour Ronnie Célestin, par rapport à rapport développé avec l'équipe, ça, c'est lui qui n'est pas être un petit casse étonnant que Ronnie Célestin votait contre choix président. Ah, non seulement Ronnie prend position, et là encore, il faut une tenue. À remercier monsieur publiquement, et parce que monsieur, c'est une affaire de lance campagne, moi, en fait, comme président Sénat. Et en plus, en dépit du fait que monsieur était gagné des problèmes de santé, monsieur était choisi pour quitter mandat. Et le bon mandat, personnellement, et il dit ah, attention, vaut mieux que me signe deux pour si vous tapez du une pour moi assurer que vous gagnez ça quand même pour pas rater votre là. Ça t'avait dit que. Ça t'avait dit que normalement, j'étais déterminé et quoi que peut-être que dans un moment, et que j'étais capable de paraître comme un meilleur profil de président. Ça m'avait dit pour autant que profil président et que le président a supporté à qui ses amis, bien sûr, ses sénateurs Sildor, pas un bon profil, non. Même moment. Pas cadré avec ça. Ou mais inconvénient, c'est que sous mon acteur Kouroni et Célestin, en pile fois, on entendait sous des médias, côté que Guédé frappe M. Baye pouvoir, mais c'est très souvent parce que qu'on avantage il va joindre. On va pour te joindre, il pas joindre. On entendait alimenter des déchaînés, etc. Donc ça veut dire que, dans la réalité, c'est pas conviction, vous que M. Baye a voté, mais c'est parce que qu'on va gagner ou faire, on va pouvoir faire, on va montrer pouvoir me fâcher avec. Bon, ça m'a pas décelé, mais la réalité est que il était en position, et puis il quimbait position jusqu'à la dernière minute. Et juste au moment où on m'a parlé là, on est Célestin, c'est une amende qui conseille mon pile, et puis quand bam. Ok, qu'on est là, on monte comme président et Sénat. Dans la pratique, il y a toujours informé et la présidence que un nouveau bureau, etc. Qui type de suivi le constat par les nationales fait par rapport à nouveau bureau qui est installé dans le Parlement? Bon. La première des choses. Et selon le protocole républicain, même pour tout le temps que je passe dans la Chambre des députés ou bien dans le Sénat, le secrétariat général Sénat, l'homme fait crier, Chambre des députés, l'homme fait criver, il te dit, président, le premier président que je connais, c'est le président Alexandre Bédard. Et c'était un camarade du Nord, plus particulièrement du Cap-Haïtien, c'était en 1990-91.
et secrétariat général là, à l'époque sur la houlette de madame madame Boyer, il dit ah attention, mais procédure lorsqu'il est élu comme président, premier ça pour faire c'est adresser une correspondance by président république là, pour informer lui de l'élection nouveau bureau et de compositionner avec spécimen de signature. Et il en est de même pour le gouverneur de la Banque centrale et le ministre de l'économie et des finances et également le ministre des Affaires étrangères pour qu'il soit capable de notifier les consuls et ambassadeurs que nous gagnons dans le pays étranger et même le corps diplomatique qui a accrédité la CAIO et qui la CAIO pour informer de l'élection de vos bureaux. Alors c'est le principe de base. Maintenant, mes élus, l'homme fini élu, me choisit pour que le 12 à 3h, 4h moins, j'ai adressé cette correspondance au président de la République. Et correspondance, ça m'a accusé réception pour joie même. Depuis lors, le président n'a ni relé, ni écrit. Est-ce que c'est le président pour vous ou bien le secrétariat de la présidence? Non, c'est le président lui-même. Okay. C'est le président lui-même parce que c'est deux présidents qui ont communiqué. Mm-hmm. Et c'est samedi pour ne pas perdre de vue. Et son souveraineté qu'a exercé à travers des pouvoirs. Le pouvoir législatif est un pouvoir à part entière. Et même réduit à un sénateur, la permanence du Sénat veut que le sénateur, ça, lui-même, c'est... C'est lui-même qui représentait le Sénat République. Là. Et c'est ça peut-être qu'un pile monde ne pas comprendre, avec bien sûr toute limite qu'on connaît, ou gagne. Toute limite qu'on connaît. Autorité de convocation qu'on n'a pas gagné, autorité pour sanctionner, pouvoir de contrôle et autres, etc. Mais les rapports, les bons rapports, doivent toujours coexister entre nous. Et la réalité présidente est supposée écrire. Et rapidement pour complimenter, mais en même temps, il que lui prend acte de l'élection de nouveau bureau. Alors, le président va faire ça. Sous le président Préval, en 2006, la même première fois président Sénat, moi, on fait correspondance dans le jour même, et même soirée, Adim Taka dit, on peut même sortir dans la salle là. Moi, je vois, on appelle du président Préval pour dire, ah, Monsieur le Président, un compliment. Et tant pis, voyez le numéro de tout le bureau pour moi pour me complimenter. Et est-ce que demain on est disponible parce que je fais correspondance en Kounia là pour me capable prêt parce que je connais une correspondance moi, pour informer de ça. Je vais dater lui, mettre tout faire. Je vais tout faire, mettre là, je vais inviter demain dans le Palais National. Parce que nous avons un agenda législatif chargé. Ce n'est pas le même contexte. Hein? Alors, que ce n'est pas le même contexte. Et, mais cependant, c'est pour montrer que, au moins, le protocole républicain et rapport qui doit exister entre deux pouvoirs, et bien, le président Préval, t'es animé question ça. Il faut qu'on dise, et pour l'histoire et pour la vérité, pendant que le président n'a pas écrit pour, officiellement pour dire que les recevoir lettrement, les prendre connaissance, etc. Bien que Mdakadio, ça c'est du pipi de charrier dans la réalité. Parce que pas président capé. Intérim, les choix. Intérim, les choix. Les dit au président. Allez, s'il voulait faire, les faire, s'il pas voulait faire. C'est une question de protocole. En question de protocole. Et, je parlais avec le président, je me changeais de date là, mais un peu avant, un peu avant 27. Date que moi, l'être y arrivé. Mais pour l'histoire, il faut que je me dise ça, parce que dans toutes circonstances, il faut que je vérité. Il y a trois sénateurs, dont je vais citer nos noms. Ils étaient dans le bureau, yon, et puis ils disent, ah, Joe, nous ne pouvons pas être en position raide comme ça, essayer de crisper l'atmosphère. Là. Le président ou même le conseil, etc., pour dire, et que vous voyez correspondance en pour lui, ou elle pour vous guérir. Je me dis, ah, monsieur le président, mon secrétariat. Le président va qu'à dire que le pas, ouais. Bon, là, en plus, le président, qu'on téléphone, moi, que le président t'a réglé tout. Je me dis, monsieur, attention. Et puis, me font une blague, côté, me dit, ah, tout tombe.
On dit président, président pouvoir exécutif là, même c'est président pouvoir législatif là. Elle non, c'est son bagage, en gestion horizontale que nous avons fait. Alors, dans le niveau ça, je ne suis pas prêt pour me dire. Elle a dit, adieu mon cher, les sénateurs qui sont fraîchement élus, et puis qu'on y a, ils étaient environ trois, et puis qu'elle a dit, ah, fais appel là. Bah, ça, etc. Elle a dit, monsieur, nous avons fait un appel contre volonté. Je m'appelle quand même. Et je me fais appel là. Pour premier, oui, elle dit, ah. Le président qui a occupé. Ou me dit c'est là, acte comme pas qui t'a passé. Ou me dit c'est là qui t'a passé. Alors, je me fais deuxième. Il me dit, oh, monsieur. Je me fais troisième. Il dit, bon, monsieur. Ou quand le président Jovenel Moïse, pas peur pour le jouer, et parce que le bateau est. Il va sur le numéro. Ça va m'étonner. Ça va m'étonner. Pas m'étonner. Et puis, il me dit, monsieur, bon, ça, c'est fini. Hein, là. Et toi, appelle. Il me dit, bon. Monsieur pas capable, il y a une autre appel, yo. Si monsieur veut l'arrêter. Et comme de fait, il ne m'a jamais appelé. Ok. Et jusque vers le 25, 26, un peu avant le 27. Et dans le début semaine dernière, là. Oui. Et puis, il a ça, moi, il dit, Joe, mais heureusement, moi, il a gagné encore deux dans trois sénateurs qui sont là. Oui. Il est Joe. Et non, vous appelez là, vous répondez. Faut que je dise mon premier appel là. Oui, parce j'ai que... pas répondu. Ah d'accord, ok. Moi deuxième là. Je n'ai pas répondu. Non, c'est... Non, je... Alors là, ça, c'est ça, politique ça, en fait. Ça va suivre. Alors, la file est 4. Et puis, moi troisième là. Je n'ai pas répondu encore. Ok. Et puis, il n'a pas continué. Parce que le président qui a cherché où il y a. Pas quoi j'ai. Ça, Kounia m'a dit, bon, trois appels de le président va te répondre. Kounia le bam trois tours, bon, ça fait match nul. Égalité. Alors, on a 0-0. Et puis vers 11h, nous étions encore là. Nègre dit, ah monsieur, tu réponds l'appel là, retournez. Il dit, ah monsieur, quittez. Et moi, le président Kounia, là, monsieur, monsieur, quittez me gérer le job. Enfin, moi, quittez me faire job, président, là, monsieur. Ou bien si nous voulons, monsieur, reprenez le job là, non, mais moi, parce que nous t'apprenons. Et puis Nègre dit, bon, ok, on connaît. Bon, moi je dis, non, on connaît, monsieur, on quitte bien la fête. Et puis maintenant, vers 11h, 11h30, le président m'a encore appelé. À ce moment-là, j'ai pris le téléphone. Okay. Et puis le président a dit, Joe. Et puis il me dit, monsieur le président. Ouais. Il dit, ah, Joe, monsieur. Il m'a le distance là. Alors, ouais, c'est monsieur le président. Yeah. Il y a des amis qui ont parlé là. Non, c'est monsieur le président. Et puis, qu'on y a là, nous, il dit, bah bon, etc. Gain, bah, ah non, Joe, mon cher. Bon, ok, bon, on connaît. Et jusqu'au moment où on m'a parlé là, je voulais être quand même mon homme d'État. Mais pas de échange qui était allé plus loin que ça. Il dit, pas besoin de bailler, reste détail. Vous avez comme impression que je m'a pas culé. Et on pouvez nous parler de qui ça? Rien, le président dit, ah, et m'apprenne que vous te voyez l'être là, m'a jamais l'être là du tout, avec ça, etc. Ce que tu as fait là. Vous avez fait accuser ce que tu as là. Bon, je dis, m'a jamais l'être là, mais dit, ah, le président, j'ai écrit. Bon, je dis, Joe, bon, ça nous parle vraiment, etc. Bon, moi, je dis, bon. Je dis, président, si un président Sénat écoute dans le secrétariat, ou pas qu'un président Sénat, le président, bon problème, on n'a pas l'air. Et puis, il dit, bon, de toute façon, voyez-le pour moi. Et encore par WhatsApp. Il dit, bon, pas un problème, je vais accuser réception pour le président. Et puis, je vais accuser réception. Bah, et puis, il dit, bon, voyez-le par le chef cabinet. Bon, je vais effectivement par le chef cabinet dans Rome d'Orville. Ça, c'est un peu avant le 27. Ouais. Et j'ai reçu cette fameuse lettre. Non. J'ai pris connaissance de lettre qui datait du 27. Hein. Seulement mardi, et c'était mardi 2. Pourquoi? Parce que jeudi 28 là, que vous avez accusé réception sous l'IA, et vers 2h, bien 3h de l'après-midi, c'est le samedi d'abord recevoir M. Secteur Populaire yo, au Sénat de la République. Les René Mon Plaisir et consorts. Et jour ça a été un déploiement. Monsieur armé en bas, la ville là, côté de dit un petit junior, on va consacrer. Et zone n'était pas fréquentable. Et comme de fait,
pas te mettre pied, pas continuer descendre au côté de décommander. Le vendredi, même ambiance santé là toujours, a été en situation de tension. Mais l'ETLAT est allé, on dit. L'ETLAT arrivé dans le secrétariat, avait dit yo te gata recevoir. Et quand l'ETLAT ça yo, moi-même ma instruction, personne ne va rien devoir ouvrir. Depuis l'ETLAT qui sorti dans le palais, m'a appelé pour que mon gata fait copie, et puis bon, l'ETLAT gata sur les réseaux sociaux, m'a dit m'a d'accord que on s'est dit de l'ETLAT pas ouvrir. C'est moi pour ouvrir, après ça, qu'on y a pour me voir éclater. Mais quel est seul inconvénient, le accusé de séduction. Justement, bon, on me laisse avoir qu'on dit, enquête n'a pas trop compliqué pour qu'on ait si fait ça. Exactement. Yeah. Alors là, ma pied à l'aise. Et comme de fait, lundi, c'est grève. C'est-à-dire, week-end n'a pas passé. Oui. Et lundi, c'est grève. Et c'est mardi qu'on y a là que tu n'as pas toute disposition pour nous ouvrir. Pour nous aller faire dialogue là. Et puis, nous besoin de saut, parce que c'était bon correspondance que nous avons aller. Et puis, le secrétaire général là, descend. Et puis, nous fait appel tout à Jeannette, qui c'est secrétaire nous. Et puis, c'est à ce moment précis qu'on a pris connaissance de cette correspondance que nous avons et que nous rendons publique. Mais, nous n'avons qu'à dire bon coïncidence. Enragé entre la date où nous-mêmes nous publions l'être là, et puis, même date là tout. Que n'a fait retrait, elle n'a pas reporté et ça ne décarre les dialogues là. Alors à ce moment précis, pour éviter toute suspicion et autres, etc., elle nous dit rendez public. Rendez public et comme de fait nous rendez public. Alors voilà, la lettre, nous prenons connaissance de lui, il demandait pour que nous rencontrions le mercredi à 2h au Palais National. Et comme de fait. Il y a une spéculation qui fait, et pas qu'on a aller, mais il y a une autre tendance qui croit que, puisque c'est une question de protocole tout, et ça t'a qu'arrivé que, ou aller, même là, ou aller dit président, ça que, et pas qu'on est, sénateur Bordi. Sénateur Gebayo, il m'a demandé pour me dire vrai. Bon, sénateur Dumont, lui-même, il prend Baïla comme s'il dit, il prend valise Baïla, il met en bas pour être là, il court avec, comme quoi, il lui-même, cap dit mal dit. Alors là, ça a connu, il m'a dit, sénateur Dumont, si vous pensez que c'est l'être, vous bon, moi, après, le public là, pour penser que c'est ça qui va le faire mal dit, là, ça m'a dit, vous faites mieux. Essayez de chercher 6 sénateurs, bon, moi, et puis m'a montré qui ça m'a dit. Alors là, il a aidé 26 moun pito, et sous 10 en bas dans l'Assemblée sénateur. Et puis là, ça, on a dit mieux. Alors la réalité, c'est que effectivement, l'on est arrivé, en principe, c'est moi qui ai écrit, sur le protocole là, et le président répond. Même lorsque il répond. Très en retard. Très, très en retard. Et réponse à vini tout, comme quoi, dans une conjoncture particulière, bon, je ne veux dire, bon, il y a lieu que me répondre. Ouais. Et comme de fait, Ndagin a choisi pour m'ignorer l'être là. Ndagin a choisi pour m'ignorer. Même on a choisi pour l'ignorer, pas là. Même pas vrai, mettez-nous dans la dimension ça, dans une période de crise difficile en tant qu'homme d'État. C'est ainsi que j'ai consulté d'abord les collègues du bureau. Et ensuite, les sénateurs. Et la décision est prise parce que nous avons l'autre bagaille que nous avons pour nous faire. Pour nous dire que, ma position, c'est qu'il n'y a pas lieu que mal participer dans la rencontre demain. Parce que je ne veux dire, il faut que nous évaluions le report que nous faisons ce dialogue-là, qui était pour moi nécessaire. Au lieu que peut-être que nous achetions ensemble avec le président pour, et le président bien dit, en audience. Et le président dit, l'invitez-nous en audience. Cela suppose que, dans l'audience, sans capable bien l'autre monde qui l'a. Il ne doit pas dire même seulement. Et là, ça. C'est un problème dans ça? Et, pas grand problème avec ça. Surtout que dans l'être là encore, il était spécifié, si n'a pas confirmé, à dire, il faut que nous confirmions que si n'a pas capable présent. À dire, nous, on échappe à toi. Et sous base ça, nous dit, bon, que nous pas capable venir. Et comme de fait, nous avons notre chien à fouetter. Et nous décider pour que nous ne parlions pas dans la rencontre là. Et nous faisons correspondance pour nous dire que nous avons toujours été disponibles. 24 à 48 heures. Bon, je crois que avant sénateur, c'est le premier monde que nous avons dit ça là, parce que
avant que je vienne ici à Valérie, j'ai reçu une correspondance du Palais National, du président de la République, qui m'a mon deuxième correspondance, et ça peut-être c'est le scoop, et qui prend acte de l'indisponibilité nous hier, et qui propose de rencontrer nous jeudi à 3h au Palais National. Ok. Ou pas obligé de répondre, ou bien on va juste débarquer? Cette fois-ci, il n'est pas demandé pour que nous confirmer. Ok. L'attendons-nous de toute façon. L'attendons-nous. Mm-hmm. Mais je dois encore consulter les autres collègues sénateurs pour nous connaître qui est-ce qui boit aller et qui est-ce qui ne boit aller. Je dois vous avouer que nous t'ai dit entre 24 à 48 heures, président en délai. Mm-hmm. Alors, comme il en délai. Oui. Mais ça, on a vu passer pour trois gros marrons. Exactement. Mm-hmm. Alors, nous allons rencontrer avec le président. Mais maintenant, qui ça nous va dire, président, pendant l'audience? Ça nous va dire, président, pendant l'audience, non? Il était pour débattre jeudi, et toute initiative, ou bien tout ça me pour me porter comme nouvelle, eh bien, il est supposé tenir compte de ça que le sénateur a souhaité que moi-même tout. Comme président Sénat avec les autres. Est-ce que par rapport à l'encontre ça avec le président Jovenel Moïse, ou déjà anticipé qui élément cap gain en dans l'encontre là? Bon, faut qu'on dise personnellement, sans que beaucoup gain avis l'autre sénateur, faut qu'on parle avec le président. Moi-même personnellement, faut qu'on va le dire, va le poser crise pays, faut me poser avec le président. Et puis la question du 7 février. Et relativement à l'article 134.2 de la Constitution, comme ça a été le cas pour les sénateurs, à travers le fameux tweet du 12 janvier 2020, alors il faut que le problème ça nous pose à les présidents. Mm-hmm. Alors tout ça, pour moi-même, c'est le plat de résistance dans l'échange ou bien dans l'audience que nous balguons avec le président. Peut-être. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'approche du 7 février. Et comme nous sommes à l'approche du 7 février, et il y a une pile attente sous question 7 février. Et il y a une pile spéculation sous question 7 février. Il y a une pile ambiguïté du côté de l'exécutif, bien sûr, sous question 7 février, par rapport aux articles 134.1 et 134.2, selon côté situé. Mm-hmm. Alors tout ça, il faut que nous levions voile ça. Et pour moi-même, question ça n'est pas capable d'aborder. Mm-hmm. La question du conseil électoral, même conseil électoral que le président mettait en place pour à la fois organiser référendum et en même temps de faire élection, question ça n'est pas capable d'aborder avec le président parce que ma position est connue sur cette question. Les membres de ce conseil, ils n'ont pas assez augmenté. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui doivent estimer que ça, c'est temps perdu. Temps perdu pour ça, si nous considérons que nous croyons que le mandat président finit 7 février 2021, à qui ça va le servir? L'homme dit à qui ça va le servir? Débat sur la constitution, débat sur la question référendum, débat sur le conseil électoral. Il y a des gens qui disent, bon, de toute façon, le président a été 3 jours, bon, pas un mois pour qui ça, débat ça? Bon, ça dit à son aspect de question. Son aspect de question, ouais, bat même ça même pour ça, parce que, en fait, si ça a 3 jours, bien 4 jours de fin mandat résident, là, ça a revenu là. Bon, même forme toujours été non limite, mettez en hauteur le fin mandat supposé du président, vu bon côté Paris. Alors là, Outaka dit, bon, pourquoi débattre du conseil électoral, etc. Parce que certainement, il y a toujours une remise à plat de toute question sérieuse, ou bien l'autre considération, ou bien le fait. Et c'est le président t'a trouvé la situation pour que les partis au 7 février. Bon, le président dit tout, que les mêmes, il va quitter le gars ou monter d'Okaïli. Mm-hmm. Et par conséquent, il y a un panier sel pour voyer tout, pour tout le gars. Il y a des gens comme ça.
Alors, ça veut dire que ça, ça veut dire que bon, bon débat. Bon débat autour de questions, quelle sera la position du président, et est-ce que le président va continuer à rester au Palais National au-delà du 7 février, et est-ce que le président va comprendre, ben, c'est ça que m'a dit. Grand pile démarche que moi-même, que ma PC est tenté d'initier depuis déjà 2 ans. La question de dialogue. Dialogue que en pile monde interprété à dessein ou bien contre moi ou bien bon ou bien dire que son, c'est du dialogue intéressé. Mais certains monde sur les réseaux sociaux, etc. Et il y a des monde même qui dit Lambert Vina parce qu'il pensait peut-être rééditer l'histoire de Privert. Je dis, mon yogon, ils font très mauvaise lecture de situation. Lorsque je parlais de dialogue, mais depuis 2 ans, je parle de dialogue. Bon, si dialogue, ça, c'était un dialogue et, pour me rééditer Privert et autres, etc., je suis certain que je n'ai pas dit seulement qu'il n'y a. Je n'ai pas dit depuis 2 ans. Parce que nous faisons plusieurs tentatives déjà et la dernière date, et, c'était l'annonciature apostolique. Et nous étions à 2 pas pour nous joindre un accord. Côté, personnellement, m'était proposé que le président parte en septembre 2021. Après toute élection fin faite, là, ça nous était à 1 an et quelques nous était gain devant nous pour que nous soyons capables de faire tout ça nous était gain pour nous faire et bien légitimité à toute instance ou bien toute entité que nous étions capables de mettre en place pour organiser les élections. Et si le président acceptait de partir en septembre 2021, il m'était bien dit oui, nonobstant que tout disposition qu'a prend pour permettre que l'élection faite y abouti et qu'un président élu capable de venir remplacer un président élu. Ça veut dire qu'en septembre 2021, très certainement, au décalage pas guettant élection, tout processus électoral ne doit pas aboutir. Et s'il pas abouti, eh bien, le président t'a obligé de rester en place pour finir le processus là, jusqu'à ce que tu aies l'autre président qui est élu. Bon, fort malheureusement, encore le Palais National a bousillé. Dernière tentative pour nous te mettre et pour nous te joindre à cause. Mais il faut dire pour l'histoire et pour la vérité, tu as une personnalité politique en dedans, qui c'est un ami personnel, c'est ancien sénateur de la République, qui était Paul Denis, pas de mode. Il te dit que lui-même, la Constitution, en son article 134.2, pas permettre que le président ait été au-delà du 7 février 2021. Ça a été sa position. Et c'est lui-même qui a gagné position ferme et inébranlable. Il a été le premier à quitter la salle. Et lorsqu'il était ouais que nous taboualé dans le sens, peut-être, pour nous être capable de joindre et on a accord. Politique, c'est timing. Politique, c'est déplacer pion en fonction de qui intérêt, qui en jeu, dans qui moment. Joseph Lambert, à un certain moment, était un allié de Jovenel Moïse. Vin gagner des problèmes qui présentaient entre nous tous les deux. Est-ce que position pour gagner sur l'article 134.2 jeudi, c'est lui ou t'as gagné si ou pas d'Akadi gagne différent avec Jovenel Moïse? Et moi, je vais parler de 134.2. Et je vais parler de constitution. Le respect de la constitution et des lois de la République. Et position sur 134.2, moi-même, en tant que sénateur Joseph Lambert, j'ai une position sur 134.2. Et comme de fait, j'ai une position sur 134.2. Mais en tant que président du Sénat, vu que qu'il y a là mon statut qui fait que à chaque fois que c'est parole sénateur que me doit porter et m'obliger faire preuve de retenue et attendre que sénateur yo même exprimer position par rapport à il pas toujours il pas toujours ça ou pas toujours comporter comme ça ou des présidents sénat ou des sénateurs en cours dans le dossier Jacques Edouard Alexia et des souhaité interpeller, l'autre dit c'est pas le moment. Justement, là, son marge de manœuvre, que, bah, oui. Lorsqu'on quitte on faille. Non, parce que le sénateur décide de l'interpeller. Avec la différence, sénateur, il y a un texte que t'es vraiment moyen pour Jacques-Edouard Alexis, et comme on est un allié de Jacques-Edouard Alexis,
Et puis, on dit moi seulement interpellation de Jacques-Édouard Alexis. Il n'a pas fixé de date. Il n'a pas fixé rien. J'ai pris acte et maintenant il revient au bureau et au bureau seul de décider quelle date la mettre. Ah, ok. Vous pouvez la technicalité. La technicalité que je n'ai pas. Et jusqu'à ma sortie, jusqu'à la fin de mon mandat de président du Sénat, nous t'ai choisi pour me protéger. On alliem oui. Avec faille que sénateur t'es quitté dans la correspondance que vous voyez pour moi. Dans toute bon, civice là. Dans toute civice là. Ah ouais, bon, à l'époque. À l'époque, si yo même tout, yo te vle coincim, yo t'a purement et simplement écrim, puis yo dit moi yo fait fi de correspondance que vous voyez pour moi. Hein? Tenu compte de ça, Kounia. Et puis, Kounia, et puis Kounia, là, ils vont l'autre bambouin. Et puis, ils précisent date, l'heure, minute, ça. Vous me laissez en d'avoir du bain, Venni. Non, là, ça, y a quoi, c'est vous. Après, t'es en séance publique, et puis, on monte au l'état avec un QG réception. Alors, c'est ça, Mabdio. Et ça, comme on dit que, moi-même, ma vraie composition a arrêté sous question ça. Et ça, parce que ma ça veut dire conviction vous qu'on fait sous article 134.2. Conviction faite sous constitution. Vous comprenez qu'il y a conviction faite. Abdou, qu'il y a conviction faite sous constitution en lui-même, eu égard à 134.2. Et peut-être on redit que m'a fait. Président est contre mandat. Qui le mandat casse et club fini. Président contre qui le mandat député est fini. Président est appliqué à 134.2 pour le dire qu'il le mandat sénateur que le te voulait aller au lait 9 ou bien 10 de Philippe Moïse a fini. Moi-même, quand il n'a pas fini, faut que le président ait courage tout pour lui-même. Il dit qu'il n'a pas fini. Il dit qu'il l'a fini, oui. Qu'il a dit l'a fini. 7 février 2022. Il dit. Bon. Il dit. Alors voilà. Moi-même. Allez, bon, je suis sénateur. Parce que le sénateur a une réunion avec moi sur la question. Ça. Est-ce que nous avons un compte que nous allons faire avec le président? Je suppose que vous le prendre et un compte, quelques éléments qui n'ont en correspondance avec PB Dumont, de toute façon, puisque le compte l'a fait. Oui, oui. Sauf que ben, maintenant, je dis PP et tout. Faut qu'il n'ait pas fait Franti Web pour compte lui. Parce que bon, l'équipe sénateur qui a réuni, il faut qu'au moins capable de présenter pour une faire valoir point de vue au même rang que les sénateurs. Et chaque sénateur est a écrit mon correspondance dans le même sens tout, puis il dit, mais évoquer question ça. Et là, dit, c'est moi-même. Comme moi, le président, c'est pour m'aller avec une note qui notifie par le président et qui dit président que mandat finit le 7 février 2021. Pépé Dumont connaît que Mbagé autorité ça, seul Joseph Lambert, pour compter comme sénateur, pour m'aller, pour m'aller dire président, et que mandat a fini le 7 février 2021. Et ça aurait été mieux que Pépé Dumont a un content de venir, et puis l'adopter en résolution, et puis qu'il bombe ça aller. On ne peut pas être content comme ça pour que n'ait pas un mandat comme ça. Pour m'aller, bon, président, pour m'aller dire président, bon, mais mandat sénateur, bon, moi. Pour me dire que mandat fini 7 février 2021. Ah, Wabin dit ça. Si ça, on va chercher Wabin. Ah, je suis bien content. Moi, ça, il m'a pris le public. Parce qu'on n'est pas fait. Je ne vais pas faire qu'un an, je dis, en champouel. Tout ça m'a fait forme claire net. Peut-être que ça, parce que je ne dis, la population a gagné en pile attente. Oui. Au moins, le président, Wabin, qui est ça avec pour la délégation? M'a gagné certainement le vice-président. Le sénateur Kedler, m'a gagné le premier secrétaire, le sénateur Garcia Delva. Et puis m'a gagné Ralph Fétier éventuellement, mais Michel Antille en souffrant, Michel Gongrip, qui a fatigué. Vous connaissez Michel Tégagné, Michel Té fait COVID-19. Bon, Dieu soit loué, il testait négatif. Et pour me dire ça en façon pour mon David dit et que Fétier président Corona alors Fétier font blague avec moi hier ou bien matin hein, m'a songé et puis Fétier dit comme ça ah mon cher regardez on a mis ton sénateur toute la journée m'a couru etc. bon on nous pas courir parce que au moins nous est moi
Mais si je m'arrête là, dans le palais national, depuis n'importe là, les gars disent bon, le programme est fait tiens, vous faites tiens la président Corona. À raison. Bon, quoi, bon, je disais, la présidente a fait une blague de ce question, parce que tout le monde a mis masque. Tout le monde a mis masque quand même, parce que moi, je vais mettre masque, mais depuis en bas, en façon pour éviter toute bagarre, parce que nous, nous sommes sensibles. Mm-hmm. Et tout le monde a une suspicion, une sous l'autre, et autres, etc. Et l'autre a une suspicion, ça y est. Et il faut couper précaution. Ok, qu'on est à dialogue là. Vous devez le faire un dialogue. Quelle a été l'utilité de ce dialogue? Valérie, je crois que en toutes circonstances, peut-être c'est peut-être conclusion que m'a dit avant, peut-être que je me développe. Que ce soit maintenant, bon, que ce soit hier, non, tentative de dialogue qui échoue. Mm-hmm. Que ce soit maintenant, donc pas maintenant tout, échoué. Entre guillemets. Et que ce soit demain, que ce soit après le 7 février, ou bien un peu avant le 7 février. Parce que j'ai entendu et une proposition de Ashley Larac, Maron Sougain déjà, mm-hmm. et une proposition de sortie de crise pour éviter au pays un chaos. Je pensais que son proposition intéressante, que peut-être que nous sommes capables de toujours explorer. Nous avons toujours exploré. Comme toute proposition, son proposition est intéressante, à mon humble avis, parce que moi, en tant que modéré, en tant que monde qui en tige en plus, veut créer équilibre, font balance, je crois que l'État qui apparaît intéressant, je profite de dire HD et publiquement là, et, ou bien Laurent, et pas Laurent là maintenant, Laurent Cécile, qui t'a partagé ça ensemble avec moi, puis tout l'autre monde, d'Abdio, si tu as voulu le bail Valérie, il t'a très beau, au moins il t'a attendu. Et puis, faire en sorte que, proposition de Nanto, l'antigène public pour mon approprier, et peut-être et renforcer. Okay. Et, on croit toujours mon dialogue. On a imaginé que le président allait au 7 février 2021. Le Sakounia là, et chaque présidentiel là, non, même comme président Sénat. Mais je ne vais pas aller, je ne vais pas qui est-ce que je vais aller. Parce que mon proposition, certes, qui vient de l'opposition plurielle, mais son proposition de, des secteurs de l'opposition, et peut-être n'est pas englobé tout en ensemble de l'autre monde. Donc, aux sociétés civiles et autres, etc. Je ne sais pas, véritablement, parce que je ne sais pas qu'on est tellement d'un groupe en la question ça, IPAM, 21 août et autres, tête ensemble, DIPOD, secteur démocratique. Ben, là, nous pas pourri, mais au moins, il y arrivait une position commune. Mm-hmm. Et là, ça, à Kounia, là, c'est un dialogue encore qui pour fait. Ouais, pas bah, ouais, faut que mon chit attende pour fait pour déterminer 1, 2, 3, 4, 5, ça qu'on va faire. Mm-hmm. On nous imagine que pour le président, lui-même, ou bien opposition et président, ou bien société civile, là, t'as dit, bon, on a essayé une solution pour éviter chaos, l'obéir, etc. Donc, une solution à la Balaguer, ou bien au Francisco Peña Gomez. On va essayer 50-50 pour nous chercher un juste équilibre. Encore dialogue. Et au 7 février 2022, par exemple, date que le président dit que le mandat finit. Il n'y a pas application de l'article 134.1. Mais sous arrivé là encore, et ça me donne des présidents gagnés en perspective pour le café. Pour le café, en constitution. Pour le arriver, mettez conseil. Pour le faire élection, avec deux consultations populaires. Pour le faire deuxième tour encore, durant l'année 2020. Et me donne des présidents bail deux, trois chiffres avant, il m'a retenu un chiffre dans sa bail. Président dit gagné. 1,5 million de monde qui gagne 4 déjà dans la mer. Il y a environ 4 millions de monde qui fait 4 pour distribuer au bail. Il dit qu'il y a 7 millions de monde qui doit faire 4. Mm-hmm. Et il y a environ 3 millions de monde qui peut faire 4. Et les gens qui peuvent faire 4 là, c'est des gens qui n'ont pas gagné acte de naissance. Et ils demandent qu'à AZEC, magistrat, pour mobiliser, pour aider les gens à faire acte de naissance. Ça prendrait au moins 3 mois pour. Bon, moi-même, mettons vieux chiffre. Mm-hmm. 3 millions de monde, on dit si 1 million de monde d'arriver à faire 4.
fait acte de naissance par mois, ça t'a barré au moins 3 mois pour faire. Bon, nous sommes en disant, nous en début février. Bois de carnaval et autres, etc. En février passé. Nous prenons mars, avril, mai. Tout à fait, acte de naissance. Ensuite, il faut qu'il y ait fait 4 électorales. 3 millions de monde. L'ONU dit qu'on a capacité de, pour faire 12 000 cas par jour. Lorsqu'on a 3 millions divisé par 12 000, si on a considéré que les gens qui ont comme des cas, on a fait, on a 24 sur 24. C'est un chiffre. Oui, tu travailles chaque jour, sans interruption. Ouais. Eh bien, ça, lorsqu'on a 3 millions de monde, ou divisé par 12 000, il t'a divisé 250 par 30, bon, il y a 12 mois. Ça veut dire qu'il y a besoin de 12 mois pour tout le monde, faire 4 plus 3 mois pour au moins acte de naissance au fait. Ça veut dire que le président déjà au-delà de 2022. Ou pas qu'a dit, bon, catégorie moun qui a voté, parce que son projet de constitution qu'on a fait, son projet de constitution de nouvelle constitution, son changement de régime qu'on a fait, et ou pas dit, bon, catégorie moun qui a voté, bon, catégorie qui n'a pas voté. Mm-hmm. Faut que toute liste soit faite, faut que tout le monde fait 4. Après ça, pour voter le conseil électoral, là. Nous dit 13 mois déjà, oui. Pour voter le conseil électoral, là, pour faire la liste électorale, ou bien les listes électorales. Lorsqu'il fait l'élection électorale, ça, le conseil électoral, là, techniquement, en toutes circonstances, toujours dit que l'ordre au niveau est donné. Il a besoin de 3 mois pour le faire l'élection. Ça, bon, 1 an. Ok, bon, là, je pense que son temps a perdu, sénateur Lambert. Oui. Non, pour eux, c'est très simple. Oui. D'abord, on a parlé de conseil électoral, là, nous connaissons que par rapport à Jean Montéa, qui, Jean, et même si en temps normal, et KPA était bien monté, c'est son abdi là. Son abdi là, c'est en fonction de. Si KPA a été bien monté, si toute disposition était prête, les conditions réunies pour l'élection à organiser, etc. On nous fait ça. Bon, pour une question directe. Non, et pour montrer où nécessité dialoguer à travers. Oui, mais pour nous, bon, dans quel sens, palais national, boycotter, dialogue ça. Bon, forme de nom premier temps, pour palais, ou bien président, il était partisan dialogue. Et à côté de l'autre facteur, donc, deux journées de grève, difficulté pour Mouniovini, dans mercredi, qui ont des gens qui sont flous, peut-être là où il n'y a pas bon toujours, et certains mondes qui peut-être croient que, et peut-être que ça, c'est qu'on y a nous fait, on va te faire avant, et peut-être que ça, il y a d'autres qui disent qu'ils ne pas font un dialogue plutôt pour assurer la transition. Mm-hmm. Et au il y a des. Est-ce que l'expression même n'est pas trop ronflante? Dialogue national, là, nous considérons la quantité de temps passé, il y a plein de monde qui fait des propositions. Malheureusement, par exemple, quand je t'attendais ça, et puis comme si Dadou Lambert mettait la tête, et dans une semaine, et puis l'annoncer, il va faire dialogue national. C'est pas trop prétentieux de votre part? Bon, je m'a dit trop prétentieux. Bon, je m'a dit oui. C'est peut-être prétentieux, ou bien un petit genre, trop ambition, t'es d'elle. Mm-hmm. Parce que je n'ai pas été surtout ambitionné, mais ça, c'est ouais, avant 7 février, t'es arrivé que tout le monde a parlé, hein, et éviter que peut-être chaos que mon n'y a pas annoncé. Hein, arrivé, même dans le dysfonctionnement, pendant l'État, même pendant toute année 2021, mm-hmm. Et puis je crois que peut-être il y a lieu que nous rapprocher les pôles contraires, faire tout le monde venir arriver chita ensemble. Et puis, garder pour eux, si nous capable d'éviter à pays, ça que nous aurions le chaos que tout le monde a pas annoncé. Alors, on croit que c'est un bon bagage. Parce que, moi, je crois qu'une grosse difficulté qui vient, c'est lorsque tout le monde refuse de chiter l'un avec l'autre. Et tout le monde campe sur une position rigide, au lieu que peut-être des gens qui font des concessions à gauche, ou bien de faire des concessions à droite, et autre, etc. Au lieu que peut-être tu aies opté pour ça, tu préférais dire, bon, moi-même, c'est position pas maintenant pour Kimbe, des pieds pas position pas maintenant, pas parler, en fait, personne, monde, rien, et autre, etc. Bon, c'est un peu peut-être, mais en ce qui concerne le palais national, forme du dialogue, là, tes buts et tout sont un problème de moyens. Mm-hmm. Parce que faut que moi, fait,
Femme dit bah yo, Jean-Louis, t'es une difficulté pour jeune moyen. Et si m'étais qu'on était une difficulté pour jeune moyen, peut-être nous demandons des populations s'il intéresse à dialogue là, mettons minimum. Et monsieur certain, si me demandez ça dans le sud-est, nous avons besoin suffisamment de moyens. Dans le niveau sud-est, mon sud-est a cotisé. Et tout l'autre monde de bonne volonté dans le pays a cotisé. Pas nous la gueule comme ça, non? Parce qu'il y a des gens qui estiment que nous tenons espace pour nous faire dialogue, pour nous parler. C'est plus pour nous déporter en bas, etc. Attention. Bon, on croit que c'est de très mauvais souvenirs. Et c'est regrettable. Et que ça est arrivé. Enfin, de toute façon, ça n'a pas été décédé en termes d'image. Et c'est peut-être une bagarre qui joue aujourd'hui à poursuivre le Sénat. Même pas quoi que c'est parce que ça a été arrivé dans le Sénat qui fait que dans le projet nouvelle constitution, et puis vous me dites que le Sénat n'est pas utile. Mm-hmm. Non, pas quoi ça. Parce que lorsque c'est cinq personnes qui ont réfléchi son bail et puis qui dit qu'on s'est éliminé le Sénat, elle dit que ça, moi-même, m'a campé à dresser contre surtout que vous n'avez pas gagné droit ni qualité pour capable faire un projet de nouvelle constitution pour dire éliminer le Sénat. Elle dit son combat qu'a mené et moi m'a mené jusqu'au bout et m'a cherché appui comme t'es qu'à dire toute population hein, et des questions ça. Sénat qui a toujours existé, il a défini l'autre rôle balé, il a fixé l'autre prérogative pour lui et pour rendre utile et pour que Kounyala ne pas en constitution côté ou sortir dans la dictature, ou balancer, ou bailler le Parlement trop pouvoir, et puis qu'on y aura pour balancer question encore, pour aller à la guerre, chambre députée, ensemble avec en présidence, et à deux têtes, et puis qu'on y a là, c'est blocage total, blocage systématique, d'où moi-même, m'a toujours plaidé pour le Sénat. Même pas bien fait débat ça, parce que n'est pas nécessaire pour qu'on y a là, parce que moi-même, personnellement, je crois que je n'ai pas à condition pour qu'on réunit. Et pour entrer dans une grosse dynamique comme ça. Mais sous quoi organiser un dialogue national, un grand débat, et fondamentalement moyen, mais pour qui ça fait que ça obligé de dépendre de la présidence? Dans quel sens la présidence, par exemple, ça représente un poids dans ça? Parce que si la bataille, nous, une bataille politique, la tête PAM, et nous t'as supposé dégager nous pour nous moyen, nous t'as supposé à plaindre que la présidence boycotte. Non, m'a dit ça, non. Beaucoup de gens m'ont dit ça, non. Et de première fois, m'a dit ça. Et de première fois, m'a dit ça. D'ailleurs, c'est mal, c'est tout pour nous dire présidence boycotte. La présidence Sangen doit, en tant qu'acteur, invité, pas vini. Certainement. Il n'est pas vini. Mais, il faut qu'on ait, quel que soit le pouvoir qu'il a, ni dépendent financièrement de l'exécutif. Il faut que vous faites requête, réquisition, bah, ministère finance, bah, ceci, bah, c'est tout en procédure. Et à défaut, vous êtes capable d'essayer de joindre fonds ailleurs. Même Abdio, il y a même des leaders de partis politiques qui étaient même aidés dans le financement. Il y a qui étaient même dit, bon, ok, on connaît que son bail national que lié, on croit que dialogue. Et en plus, c'est des leaders de l'opposition. Hein. Et qui te baille des minimums, un minimum pour nous capables d'essayer de faire dialogue. Là. On a obligé de retourner mon nom moyen. Et peut-être que ça parce que il n'est pas fait. Il n'est pas fait, oui. Ouais. Ouais. Mais, m'a dit, son chance que nous ratons, mais c'est un projet pour nous maintenir. Parce que, quelles que soient les conditions, à quel que soit le moment duré, le dialogue, Mabdio, en toute sincérité, le dialogue est inévitable. En toutes circonstances, il y a un dialogue là quand même. Et Valéry met écrit ça là. Pour si dialogue ça va faire. Il mettrait quelque soit l'autre bagaille là. Il va changer, non. Mais parler entre différents acteurs, l'a fait tôt ou tard. Mm-hmm. Mais je vous dis, par exemple, 7 février 2021, c'est dans 3 jours. Il y a une proposition de sortie de crise qui est faite. Donc, tendez au niveau de l'opposition politique, qui j'en ai proposé, ça pour faire. Je dis, tête droite dans la Cour de cassation. Je propose pour que gagne une structure qui vienne prendre contrôle en termes de, d'acadie. On dit qu'à se remplacer le travail parlement, t'as capable de faire, qui c'est contrôle là. Et ainsi de suite. Qui j'en nous-mêmes, au niveau du Sénat, nous évaluer proposition ça? Bon, ma bien, son, on proposition, tant que toute la proposition, yo. La seule différence, que proposition ça, il y a plus de monde qui a adhéré à lui. Oui.
Et lorsqu'il y a plus de monde qui a adhéré à lui, il venait en proposition sérieuse, parce que jamais dans l'histoire, proposition qu'a faite, où il y a autant de monde aller dans la même direction, malgré toutes difficultés que vous avez gagnées, mais il arrivait quand même à un consensus et il a paraphé un document en commun. Mm-hmm. Et sous base, il est venu en proposition sérieuse. Et comme toute proposition sérieuse, le Sakounia, quel que soit le moment, il est obligé de tenir compte de lui. Je souhaitais peut-être que la proposition ça laisse étendre à chaque fois à tout le monde ou toute instance qui croit que peut-être il y a même en dehors de question ça. Mm-hmm. Et autant de fois que étendre, autant de fois que j'ai une adhésion, c'est autant de fois l'apparaître puissant. Andy Sénat convaincu que 7 février 2021, faut que le président Jovenel Moïse quitte Valéa, nous-mêmes, qui ça nous dit comme principe pour remplacer le. Gagne, Mabdio. Ou dit, on garde le scénario ça. Si le scénario ça t'arrive, gagne un genre que la Constitution dit. Constitution, Mabdio, il dit, l'arrivée dans ce stade ça, c'est l'Assemblée nationale. Là, on va à l'Assemblée nationale, on va à la Chambre des députés, on va au Sénat bancal. Et en plus de Dieu, c'est élection qu'on fait, ou veille élection pour mon candidat bien inscrit. Lorsque le candidat bien inscrit, n'importe qui monde qui a candidat, ou tu as gardé dans l'histoire privée là, ou tu as 3 candidats, mm-hmm. ou tu as gardé n'importe qui monde bien inscrit, s'il te pensait que tu as une chance. Et puis c'est l'élection qui est faite par votre sénateur, même l'Assemblée nationale, et qui détermine qui est-ce qui est élu. Mais vous avez un schéma où, au grand président, qui lui-même reconnaît Mandal Fini, et puis qui allait, qui remet échappe là, par le président de l'Assemblée nationale là, et puis le président de l'Assemblée nationale là, qui met échappe là, nan meni, momentanément, en attendant que processus constitutionnel yo mette en branle pour élu nouveau président. Pas été capable Pinocchio. Mm-hmm. Et puis là, ça a connu le président de l'Assemblée nationale t'as gagné pour lui faire prestation de serment pour Pinocchio. Mais la chance sourit parce que ils ont assemblé côté tout le monde qui a noté. Regardez bien pour eux. Tout le monde qui était candidat à l'époque, yo, c'est un président de l'Assemblée nationale en exercice et puis 2 anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que Ballon était presque déjà indiqué que son ancien parlementaire quand même. De toute façon. Mais dans le schéma que nous vivons là, son président de la République qui dit lui-même mandat pour qu'on finit, pas gagné chambre de député, Sénat bancal, et pas gagné aucun autre bagage encore qui est capable de permettre que ou élu au président. D'où dialogue. Consensus. Et il y a un secteur qui fait proposition, ça, c'est secteur là, je vous fais allusion là, les mêmes qui orientent vers la Cour de cassation. Ouais. Ou bien toute autre solution institutionnelle. Le Sakounia, c'est n'importe qui monde qui a issu de n'importe qui institution républicaine. Alors voilà, alors son réalité qui montre. Oui, mais est-ce que Sénat lui-même ne peut pas plancher réellement sur ça, par exemple? Non, c'est. Pour ça, nous ne pas rentrer dans la dynamique Cour de cassation. Non, nous ne pouvons pas faire débat sur ça. Hein? Qu'il en a fait? Non, il y a 4. Nous ne pouvons pas capable faire débat. Celui-là, c'est son texte qu'on groupe écrit. Mm-hmm. Et en donc, plus. Donc, vous m'avez compte de cette février à Sénat 3 jours, alors? Bon, on va me dire, Magaï. Même sur la radio, là, m'a dit, monsieur, si au moins il prend un copie de texte et puis il notifie le Sénat. Vous pouvez notifier le Sénat de proposition qu'on prend. Son proposition prend la rue. Le Sénat n'a pas gagné lui-même pour tenir compte de proposition prend la rue de manière officielle. Le Sénat prend tant que n'importe qui bagaille qui est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez acheter. Hein? Vous pouvez acheter. Vous pouvez sur les réseaux sociaux. Au moins. Vous ne pas, oui. Non, mais c'est vrai, mais réflexe, monsieur. Écoutez, Valérie, nous avons une institution. C'est une institution, c'est le Sénat. Le Sénat comme institution, t'as notifié lui. Sénat a écrit pour le dire, il prend acte
de documents qu'on voit et balia, etc. Et il saura faire bon usage. En temps c'est Dieu. En temps c'est Dieu. Bon, il va notifier nous. Or, s'il pas notifier nous, il dit pour nous-mêmes, bon, peut-être, et donc parce que, dans la proposition nègre, là encore, faut qu'on dise, Valérie. Vous imaginez qu'il y a 10 sénateurs qui en poste. Nègre font proposition de sortie de crise. Côté, il n'y a pas dit rien pour 10 sénateurs. Alors que nègre connaît un domaine politique pur. 10 sénateurs qui étaient environ 2 ans, à dire janvier 2023. Et vous ne pas dire rien pour 10 sénateurs. Ça, c'est un. À un moment, il prend acte seulement et puis pour la population, noter tout. Et puis, face, lui-même, à un exécutif. Un exécutif qui lui-même, t'es déjà pas même reconnaître comme président. Allez, comme bureau. Et puis, qui en final vont l'être pour, qui a commencé son rapprochement. Et puis, qui lui-même, dans le projet constitutionnel, lui a éliminé le Sénat. Et tant qu'on a dit, où on est qui a nous-mêmes, c'est cordonnier, nous, et soulier que nous fait. Et puis, autant des présidents de la République Radio, là, font un projet constitution avec 5 monde. Et puis, dans le projet constitution, il dit, article 25, désormais, sur tout territoire république là, personne ne peut pas de marcher avec souliers, tout le monde doit marcher pied à terre. Allez, dis ça. Cordonnier pas content. Cordonnier pas content. Alors, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors, que tous les deux, messieurs, tous les deux groupes, qu'il s'agisse de l'exécutif, mais qu'il s'agisse de l'opposition, que je prends acte. Et j'ai eu à faire cette question, il y a un monde que je t'ai échangé ensemble avec eux le 21 août. Il parle pour moi. Et puis il dit, ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Mais maintenant qu'il y a un abstrait, et même j'entends, les sénateurs pensent que l'exécutif là, et plus particulièrement le président Jovenel, parle. Alors, si vous parlez, mais vous, yo même tu y a dit bon si n'est pas pareil même moi pas carré même tout. C'est son vérité lié et faut que tout le monde comprenne ça. Alors voilà, moi ouais, mais faut quelque part nous font timité intérêt personnel yo on s'écrase de côté tout parce que ça qu'arrive que un t'a dit que proposition faite là pour que 7 février c'est la cour de cassation qui va passer et m'a être là. Si c'est ça qu'a fait DPI à relancer le sénateur Lambert, même lorsque vous n'avez pas tenu compte de nous-mêmes dans le niveau Sénat, ou pas quoi faut garder dans le sens intérêt collectif là plutôt? C'est une proposition, et toute proposition ça est très certainement, on va l'obliger de mettre mon entité à parler ensemble. D'où dialogue. Dialogue là quand même, le dialogue l'a fait tôt ou tard. Parce que son position, mais il n'est pas planté dans le béton. Il n'est pas planté dans le béton. Qui Jean ou même, où est 7 février 2021 pour le passé? Ça a passé, ça a gagné dans le pays. Bon, va aller regarder le 1er 2 février. Vous sentez que tout le monde est stressé, tout le monde peur, tout le monde est attente. Et tout le monde pensait que peut-être que le pays a beau vivre des périodes difficiles. Même pas même au 7 février seulement. Moi, au-delà du 7 février. Au-delà du 7 février, ça lié. On nous imaginait que, et c'est très probable, que le président allait. Dis-moi qui ça va le passer, rapidement. Bon, on nous imaginait que. Je suppose que si tu as un échappe là, il faut t'en manger avant, mais parce que tu dois t'en pile. Bon, je ne vais pas gagner échappe là le 7, et puis peut-être moins le. Bon, après le 7. Comme vous êtes dit, vous avez. Après le 7. Et tant que je suis capable de trouver dans la situation, c'est juste 7 février 2022.
Yo pour tellement moins. On nous imagine Valérie président va aller. Qu'est-ce qui va passer? Monsieur est certain que pas personne monde là, je ne veux dire qu'il y a un plan B. Seul ça qui est capable dans tête, c'est que nous voilà une année, et moi-même personnellement, nous voilà vivre une année agonisante. Bon, comme toute fin toujours agonisante, mais année 2021 sont années agonisantes. Et si la population elle-même décide, elle dit non, c'est fini, fini net, et puis l'assumer responsabilité, nous faisons déjà, et dans l'histoire du pays d'Haïti, qui s'est passé qu'on y a dans la casa? Si ces populations nous quittent, qui prennent, bon, le dit que d'accord, bon, lui-même la paix, ça nous pas voulait faire la faire lui-même. Là, ça nous-mêmes, comme institution, n'a pas acte, et puis n'a fait ce que de doit. Parce que, dis-moi, sauve dans toute l'histoire de ce pays, je me toujours dit deux bagailles, moi, en pile, mon, utilisé ces derniers temps. Je vais lui faire commenter ça. Et pour l'éclat, parce que si me fait, il est capable de prêter à équivoque. Mais, dans l'histoire du pays, nous toujours vivons des périodes similaires. Mais solution, ou toujours joignent de deux façons. Un coup de canon, ou bien un coup de fil. Un coup de canon, c'est toujours l'armée qui toujours fait un coup. Ouais. Je dis, je suis certain que, et la police et l'armée, et, entre guillemets, les gangs que je veux dire, m'ka qualifié de gangs d'État, c'est avant-hier, je dis à mes dire, parce que, bah, en démonstration là, et même révoqué, je même rivé, mandé, révoqué, ministre des Affaires Sociales, et révoqué le bureau. Ce qui est très malheureux. Et puis, il y a un coup de fil. De la part d'eux? Généralement, c'est toujours un coup de fil qui sort d'ailleurs. Et dans le coup de 4 là, et qui attitude, qui position que l'international a affiché par rapport au bureau du Sénat? L'international reconnaît le bureau du Sénat comme une entité. Il y a un échange qui fait entre nous autour de questions politiques. Nous avons un échange qui fait. Nous avons un échange qui fait entre nous-mêmes avec l'ambassadeur canadien, un échange qui fait par visioconférence avec des amis, des monde politique dans ce département. Nous avons un échange qui fait avec plusieurs autres monde encore international là, et plus particulièrement monde dans le Parlement européen yo, et monde dans toute l'autre ensemble association parlementaire et autres, etc. Je dis à qui quoi que faut qu'on solidarité avec le Parlement haïtien et plus particulièrement le Sénat. Il y a des gens qui travaillent dans le Parlement qui plaint. D'ailleurs, dis-moi ça, pour moi, de ça pour vous, c'est peut-être une dernière question. Qui s'est fait pour vous parce que vous êtes employé, vous n'avez pas touché. Il y a des gens qui disent que vous avez pile, vous n'avez pas touché là. Premier bail que je garde en bas, je vois que j'ai quelques 600 employés qui ont feuille rose dans la finance. 600 employés pour qui bail? 600 employés dans le Sénat. Qui ont feuille rose dans le Sénat. Dans le Sénat. Il y a 600 employés qui ont feuille rose. Nous, monsieur. Qui ont tout en bas. Qui ont feuille rose. Là, on n'y a pas d'employés, employés. On n'y a pas rendu compte tout que mon Sénat n'a pas fonctionné. La fin, on a des employés qui. 600 employés dans le Sénat. Des gens qui sont employés depuis déjà. 2 ans, ou bien 2 ans et demi. Et puis, faire rose dans la finance. Et puis, mon Abdio, faut qu'on fait chèque sorti parce qu'il y a travail, etc. Bon, c'est à toi, s'il doit venir, ils font coup de balai, ils éliminent au moins 100 ou bien 200. Des nègres, comme quoi, avant de partir, et puis, nègres a choisi, ils baillent tout le monde en lettres. Et puis, quand il y a là, ils font capital, bon, là, et puis, ils disent, bon, bravo, sénateur, non, même moi-même. Et puis, qu'on y a là, il quitte héritage loi pour le monde qui vient après. Ok. Il dit que, là, dans la situation, ça, je ne comprends pas. Ce qu'on a dit, oui, mon Dieu. Sincèrement, je ne comprends pas ce qu'on a dit. Parce que, autant de fois qu'on n'a pas gagné moyen sous budget, finance, ça peut faire aux yeux. Et puis, là, il dit, tant qu'on a gagné provision. Parce que, M. Boniface Alexandre dit, les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Non, les caisses sont effectivement vides. Ouais. Et puis, nous gagnons un budget strict minimum.
C'est le strict minimum que n'a fonctionné là, dans le Sénat. Parce que ça, parce que son budget, que l'exécutif a été choisi, le voyez, bah, nous, et puis le publier. Là. Le publier pour nous, et, dans, okay. Et sous moniteur, nous voyons que mais ça a augmenté pour nous. Ok. Alors, ouais. Mais m'a dit ça. Oui, mais faut m'a dit ce café tout. Mm-hmm. J'ai demandé un pile café, que tu bois un pile. Quand il y a un maïs, ça fait dire, allez, fais manger un maïs. Il y a un mouille qui a un bâton. On est allé avec sandwich, tu l'as réalisé. Donc, comme on dit, mon yon vient m'utiliser dans son. Et je dis, colis bec là coupé. Le bâton est pareil comme ça. Mais cependant, moi, je me donne un mec quand même pour que. Et comme ça, yo, moi, ouais, l'école que le président dit a fait avec eux. Okay. Parce que Rosine Vavala, moi, son bail daté de 2012, à une époque comme Sénat. Okay. Et que moi-même, d'accontent chaque année, avec l'agence que yo extrait de Sénat, pour moi, 12 lycées faits dans le pays. Il faut que m'aille au moins 12 ouais. À finir la rouge. Okay. Sénateur, merci un peu parce que vous avez mis disponible pour nous, mais même tout, bah, contrairement à leur parler. Je dis à me trouver que son sénateur Lambert, qui pas parlé avec verve, qui pas comme si nous avons formel dans des positions, genre qu'on cinglant, l'autre prend des positions, là, je me sens une position plutôt feutrée, et, ou pas fin comme ça que pas le passé, alors que connaissant Lambert, son équipe dit bon, ouais, ça te fait rouiller, comme si. Parce que bon flou. Bon flou sur 7 février. Bon, tout le monde, même au même dos. Valérie, dis-moi si vous voulez. Même lorsqu'on est pertinemment et que 7 février 2021, le président doit partir en vertu de l'article 134.2 de la Constitution, même Jean Zay était le cas pour les sénateurs, et pour dis-moi, Valérie, et si le président reste ouais. Et si le président reste? Avec des larmes, qu'on y a là, on très bonne pour nous chaque fois. Vous avez dit jamais vu le sénateur Lambert aussi doux. Non, aussi serein. Aussi serein. Aussi serein, parce que. Pendant toute période de l'homme président Sénat, madame m'a fait mon conseil. Madame m'a dit non, pas les fonds, puis là, les conseils, etc., il faut dire. Ou pas vous-même. Oui. Alors faites tout effort pour capable de parler. Restez calme, restez serein, et puis dis ça va dire. C'est conseil madame. Et ça pour capable. Depuis que nous fait campagne pour le président du Sénat, jusqu'à aujourd'hui, je ne vais jamais essayer aussi le temps. Donc après 16 ans, vous aussi pour un conseil madame. Non, m'prend on l'autre encore pour aller là. Sinon, presque certain que mon papa m'a duré de vie trop longue dans la question politique là, parce qu'il y a ce qu'on appelle les confidences de l'oreiller. L'autre tête ou sous oreiller, ou même madame, ou même celle à madame, ou comme ça. Merci mille, sénateur Lambert. Merci beaucoup, Valérie, et merci à tous les collègues sénateurs qui encore bon mon confiance, et merci à peuple haïtien, Captain Empile. Donc, rendez-vous après-midi à 3h dans le Palais National. Oui, rendez-vous normalement après-midi à 3h dans le Palais National. Il est très difficile pour que le sénateur t'a dit me décommander encore. Moi, personnellement, en tant que président du Sénat, oui. Je ne vais pas décommander. Ma présence. Merci à vous d'avoir suivi cette rubrique. On se retrouve demain pour une autre édition de la rubrique Invité du jour. Nous sommes jeudi. Rendez-vous jeudi thérapie cet après-midi avec Taylor Rigaud. Bonne journée. Au revoir. C'était notre invité.